Bonjour à tous, nous sommes avec le cahier d'écriture à la page 17 et nous allons voir aujourd'hui l'écriture du M sur des plus petits carreaux. Alors, on commence par la date. Nous sommes le lundi 29 novembre. On commence par le L, le 1 avec un U et un N. L'un, on s'écarte pour faire l'arrondi et le D, on monte et on descend la barre, lundi, 29, arrondi comme pour un A, et on descend, on fait la queue du 9, 29 novembre, un pont, un deuxième pont, on s'écarte, rond, boucle intérieure, je monte, ferme ma vague. Boucle sur l'interligne, je descends. E. Les trois ponts du M que nous allons repratiquer aujourd'hui. On monte pour faire la boucle du B. Boucle sur l'interligne, deuxième boucle du R. Lundi 29 novembre. Commençons maintenant l'exercice 1. Alors, exercice 1. La lettre M. Nous démarrons entre la ligne de terre et l'interligne et on commence avec un pont. Nous ferons trois ponts et on nous terminerons avec la boucle. Premier arrondi, on remonte, deuxième arrondi, on repasse sur son trait, troisième arrondi et je remonte pour la petite queue. Vous recommencez encore trois fois. Voyons maintenant l'exercice 2. Exercice 2, écris les mots. Nous avons deux mots, on les lit tout d'abord à voix haute. Premier mot, ami, ami. Deuxième mot, pomme, pomme. On fera bien attention à bien associer les deux M. Commençons avec le A de ami. On fait notre arrondi. On ferme notre A. Et on commence nos ponts. Premier pont. Deuxième pont. Troisième pont. Je remonte. I. Ami. Je l'écris encore une fois. Deuxième mot. Pomme. Je pars de la ligne de terre. Je monte en diagonale pour faire mon P. Je redescends bien à la verticale. Vague. Je m'écarte. Rond. Boucle à l'intérieur et je commence mon premier arrondi. Deuxième arrondi, je remonte la ligne verticale. Et je recommence. Un pont. Un deuxième pont. Troisième pont, je pars en diagonale, arrondi du E. Pomme. Je l'écris encore une fois. À vous maintenant. Un modèle de correction se trouve sur le blog.